Donc hop, voilà ta clé. Donc je te laisse faire une démonstration à tout ce magnifique personne. Vous faites un clic droit avec la clé, vous rentrez dedans et donc. Essayez de rentrer chez moi, allez rentrer. Voilà, on ne sait pas, on ne sait pas rentrer dedans. Ah oui, on peut pas. Ah, je suis chez Kitsu. Oh, il va te fermer la porte. Libérez-moi. Ah, mon grand coquin. Bon, Katana, non, rends-moi mon Knut. Ah, c'est fait, là c'est le boxon. Rendez-vous. Voilà. Bon, chambre numéro 2, j'appelle Ganou. Gadou, où es-tu, Gadou? Viens là, viens près de moi pour Gadou. Kata, si tu savais ce que Kitsu a fait. Voilà, derrière toi, Gadou. Voilà, ça m'a choqué. Oh là là. Ah, je voulais rentrer. 3, 4, 5, je regarde après les autres clés. 6. Moi, je vais faire des bébés à Gadou, moi. Enfin, là maintenant, là. Vous pouvez pas attendre la fin du live? Je vois quand même quelqu'un qui essaye de faire des bébés un bon. Ah bah c'est chelou. Bah là avec 53 internet. Hein. La chambre numéro 3. Il y en a qui jouent avec les pots de fleurs. Oui. La chambre numéro 3, j'appelle Knut et Kata. Ah, c'est nous. Donc vous allez chacun avoir une clé, donc de les paumez pas. D'accord. Une clé, hop, une deuxième clé. Cool, j'ai les deux. Ok, bah je te laisse la donner à, oui. À ton petit Barry. Elle est trop belle, notre chambre. Oui, wow. Je tiens à préciser qu'elles ont été majoritairement décorées par Kitsu. Oh, il y a juste, Kitsu. Je crois qu'il y a juste les 5 dernières qui sont dégueulasses qui ont été décorées par moi. Ah, on va les décorer sur un mur. Il y a moins de sur un mur quand même. Tiens, Midou, ta clé. La quatrième chambre, j'appelle Briax près de moi. Et il a quand même une colonne de personnalité. Ah, Briax est déconnecté. Ah, Briac, c'est déconnecté, je ne le vois plus connecté. Bon, venez c'est dans pas le grave. Petit salon, venez dans le petit salon. Cosy. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Qui a mis un lit? Qui... C'est quoi ça, ce brancard? Je comprends. C'est les PNJ qui dorment. Là maintenant, là. Ah oui, c'est quand même parce que c'est la nuit. D'accord, ok. Ils dorment. Par contre, ils se baladent avec leur lit. C'est ça. il y en a qui ont compris le petit salon là. Donc, juste ici, plus loin. Ça va, Roi, t'es pas trop perdu dans tout ce que tu as fait? Non, ça va. Ça va? Tu ne regrettes pas trop de m'avoir donné... Non, pas du tout, pas du tout. La déco est très sympa. Ah, donc, la chambre 5, aucun des deux déconnecté non plus. c'est Vie et Dark Shadow, c'est pas grave. Moi, je suis là. Ah, t'es là, Vie, t'es connecté? Je suis pas dans le jeu parce que ça lag trop, mais je regarde le live et je suis là. Bah, t'auras la chambre 5, voilà, je te montre par le hublot de la fenêtre. J'ai précisé, vous aurez 3 lits pour vous deux, donc voilà. Oui. La chambre 6. On va pouvoir en faire des choses. Complètement. J'appelle monsieur Fred Lolès. Oui. La chambre 6. Lolès. S'il te plaît, Fred, voilà. Il y a une barre de pole dance pour lui ou pas? Bah écoute, j'y ai pensé. Salut, Massiga. Je tiens à préciser que quand vous rendez les chambres, il faudra les rendre dans l'état dans lequel vous les avez trouvées. Hein. On est payé une caution. On va essayer. Non, mais voilà, on va. Voilà. le voilà n'est pas l'argument. N'est pas un argument. Faudra qu'on nettoie les taches sur les draps alors. Merde. Oh non. la chambre 7, ils sont pas là non plus. Il y a une blanchisserie. J'ai pas prévu ça, aider. La chambre, oui, j'appelle Horse Panda et Miss Pandy. Et tu... Chambre 8, hop, attention, je jette les clés, hein, je vous laisse les prendre. Les filles. Bon, les enfants, je vous laisse, je vais encore travailler. Bah, les gros bisous, Zazou, et bon courage. Bisous, bon courage. Bon courage. Zazou, justement, bientôt. Hein ouh, on espère décrire un lit, mon amour. Bah oui, une chambre aussi. Bah non, si tu veux ça tout, mais si tu veux, mais enfin, faut que tu me... Si tu me dis que tu veux jouer, je te... Fred. Ok, c'est bon, la ferme-la. Fred. Je reviens de 10 secondes. Tu fais clic droit avec la sur la porte et donc... Allez, des bisous. Fred, enfermez-vous. Oh non, Fred, non. Je vais faire des choses sur votre lit. Bon bah, si vous pouvez peut-être le sortir, bon, ça la chambre 9, bah ça c'est pour moi, voilà, Fred, tu seras mon voisin. La chambre 10, personne n'est pas là. Ah oui, là c'est le dortoir. Donc voilà, s'il y en a qui en ont marre à un moment de dormir tout seul, bah, il y a un dortoir avec 9 lits. Voilà. Ah oui. Okay. Voilà, avec. Et donc chaque coffre, enfin chaque lit dans les chambres a un petit iron chest comme ça, vous pouvez stocker plein de choses. Enfin, voilà, vous avez toutes
Les commodités. Donc pour ceux qui se demandent où, est-ce, où sont les salles de bain, il y en a une, il y en a trois pour tout le monde. Il y en a trois pour tout le monde, je suis désolée. Faudra réserver. Hein. Voilà, donc d'ailleurs elles sont ici d'ailleurs, voilà, les petites salles de bain, voilà. De différentes sortes, de différents standing, voilà. 1, 2, 3, alright. La petite salle de bain. Alors, et donc c'est plus loin, voilà, les chambres continuent, donc il y a les dernières chambres. La personne en 11 n'est pas là non plus. C'est Poussin qui sera en 11, il n'est pas là non plus. En chambre 12, j'appelle Mister LD. C'est moi. C'est Mister ou Monsieur? Parce que c'est vrai que je connais même pas. Je suis même pas sûr. Mister LD, voilà. Voilà. Chambre 12, ben voilà. Voilà. Je t'ai filé deux clés, attends deux secondes. Tu sais juste peut-être m'en rendre une. C'est juste une réserve au cas où t'en perdrais une pour pas que tu perdes les deux. Comme ça, t'en perds qu'une et il n'y a pas de problème. Voilà. Hop. Ok, chambre 12. Voilà, donc je suis la mienne. Donc ça, là, les chambres ici ont été décorées par moi. Voilà, je tiens à préciser, là maintenant, ce sont mes chambres. Voilà. C'est moi qui les ai décorées. Ça. Voilà, j'étais pas disponible ce jour-là. La chambre 13, c'est Titi, il n'est pas là. La chambre 14, Lilo. Ma petite choupinette. Vous avez un petit salon si vous voulez vous installer. Hein. Voilà. Oh merde, j'en ai filé trop aussi. Il y a ce qui t'a piqué des clés. J'ai trois clés de la chambre 14. Cool. Qu'est-ce que tu fais avec? Comment tu les as eus? Je sais pas. Je les ai jetés sans faire exprès. Voilà. Ça va, il est à ta clé? Bah non, c'est pas. Ors. Mais je les ai pas. Attends, c'est belle la chambre. Attends, chambre 12. Oh là 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 là. Non, c'est pas grave. Ah oui, non, c'est 14, c'est pour ça. Non, c'était que d'autres qui les avaient pris. Oui. Attendez, reculez-vous de Lilo pour pas vous risquer de prendre la clé. Bon, bah, je te les ai jetées toutes, c'était juste pour deux. Ah, bon, alors je vais te repasser. Voilà. Voilà. Chambre 15, Boone. Mon petit Boone. Où qu'il est, les Boone? Boone est-il là? Boone, si tu la frappes une fois, si tu n'es pas la frappe deux fois. Ah oui, je crois qu'il a dit qu'il allait faire un petit peu. Il est aux toilettes au rez-de-chaussée. Ah bah voilà, il a trouvé son moment, hein. Il est à toi, je dis. Ah bah, mais, écoute, je lui donnerai sa clé après, quand il sera là, pour pas qu'il se pose trop de questions. Et on a en chambre 16, Shana. Ah, donc j'ai quand même... Voilà, oui, t'as une chambre aussi, hein, y a pas de raison que tu n'aies pas de chambre. À l'autre côté. Voilà, hop. Voilà, choupinette. Voilà ta petite clé. Voilà. Non, faut attendre Boone. Donc il y a des. C'est pas grave, le pire, je donnerai après. Il y a des chambres à deux lits, des chambres à un lit, des chambres à trois lits. J'ai essayé de faire pour un mieux. Voilà. Allez pas si vous avez pas ce que vous voulez. Hein. La meuf là... Voilà, j'ai fait pour un. On demande pourquoi il y a trois lits dans la toile. Donc. Je vous propose maintenant de vous faire découvrir l'étage supérieur encore. Parce qu'il y a encore des choses à l'étage. Il y aura beaucoup. Maintenant que vous avez vos. Ah, Boone! Ah, te revoilà, Boone! Oh, ah, bah voilà, Boone, il revient! Boone, attends, parce que t'as pas eu ta clé encore en fait. T'étais parti juste au moment où je voulais te la donner. Ah, bon, d'accord. Boone, tu as la chambre 15. Il est derrière toi. Tu as la chambre 15, Boone. Hop. Là, s'il te plaît. Je dis qu'il me regarde, mais il est derrière toi. Il faut juste que tu fasses un clic droit sur la porte de ta chambre et bah, au bout du couloir. Oh, j'aime pas l'orange. Évitez de barrer vos pieds dans vos chambres. Ah, voilà. Mm. Non, ça m'est déjà arrivé. Donc par là tout. Voilà, non, on revient, non, c'est bon. Je me perds moi-même dans tout le bordel en fait. Tellement c'est immense. Oh là là. Ouais, bon, j'ai trop bon, pire. À ce qu'on aille à l'étage, peut-être pour que vous puissiez voir. Ici, je dis. Qu'est-ce qu'il y a? Ici. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? T'es où, Kitsu? Sur le balcon, il y a deux trois statues. Oui. Ah oui, les balcons sont super beaux. Si vous voulez vous détendre, chers amis, il y a des Ah oui, mais il fallait que je les montre, les balcons. Bah, c'est ça que je te dis, on a Zazou et Dar en ce moment-là. Voilà, j'ai mis Zazou et Dar parce qu'il y a quand même beaucoup de modes que j'ai connus grâce à eux, donc voilà. Wow. C'est normal que je fasse. C'est super stylé. Donc ici, si vous mettez près du balcon, vous avez la vue sur une bonne partie du domaine. Oh là là. Ah, c'est beau. Le gros bâtiment à votre droite, en fait, avec le gros dôme, en fait, c'est la salle des fêtes. Voilà. Ah.
C'est normal. Enfin, c'est sympa. Oh, j'ai trop hâte d'aller voir. Donc voilà. La salle de bal, la salle des fêtes. Désolée, moi, je suis désolée, mais écoute, je rigole. Quand tu verras comment je l'ai décoré, c'est devenu une salle de fête. Tu pourras frapper à la Médinazia quand on se verra. Non, non, loin de moi. On ne tape jamais une fille, même avec une rose. Ah, moi, je frappe tout le monde, hein, moi, quand on fait chier, Bon. À part une petite fessée si la personne est consentante, mais. Ah, bah, c'est fait, la roi, il est pas sur les vols d'art, il se lâche, hein, là. Oh non, ça, ça, ça va. Oui, ça va. Tu parles aussi de fessées aussi sur les vols d'art. Ouais, une petite fessée. Ah, bah, c'est ça. Ah, voilà, maintenant, on connaît le visage des maçons du cube, hein, les gars. Voilà. Donc, j'ai un mini balcon ici aussi, si vous voulez vous détendre. Ah oui, donc, ah oui, vous voulez que je vous montre le restaurant? Ah oui, encore cet âge-ci. Donc, je vous invite à venir, donc c'est près des escaliers. Hein. Je vous attends, hein, voilà, prenez votre temps. Bienvenue à tous ceux qui s'abonnent, vous êtes 139 à regarder ce stream, ça fait très très plaisir, merci beaucoup. Sachez les gens que moi je connais les lieux, donc... Il y a une Sari qui dit « Roi, t'es le meilleur, j'en peux plus ». Ça va, vous suivez, il y en a qui suivent? Oui. À me suivre, j'ai redécoré un petit endroit en un magnifique restaurant italien, même si c'est un bâtiment qui est un peu oriental. C'est un doux, merci. Oui, c'est un doux, merci, je te remercie. Voilà, vous avez quand même un restaurant aussi bien familial que pour les dîners en tête à tête. Voilà. Mais là aussi, là, il faudra débourser un petit peu d'âge. Et donc là, les couples pourront se mettre là pour profiter de la vue, voilà. Ah, c'est romantique. Ah, yeah. Ouais, il y a un cuistot. Et donc, vous pouvez réellement vous installer directement parce qu'en fait, vous avez le serveur qui passe entre les tables. Comment faire? Ah, sérieux? Vous faites un petit peu de ce qui vous sert. Oh. Je mange en tête avec lui. Ce soir ici. Je vais faire la vaisselle. Si tu voulais peut-être se suicider, roi, ça me ferait plaisir. Hein. Pas ici. Reviens parmi nous. Enfin, voilà. Il y en a qui a piqué les assiettes. Il y en a qui ont volé les assiettes. Ah bah voilà, il y a déjà un dîner romantique entre Fred et Ors. Non. Et Miss en fait, ok, bah on sait comment ça va finir eux deux. Hein, bon, on va vous laisser hein, les gars. Donc la porte qui est là mène vers une pièce que j'avais avouée que je n'ai pas découvert. Je vous laisserai la découvrir par vous-même hein, les amis. Hein. Il faut faire le clic droit pour récupérer la viande. À shift. Oui. Je vous invite donc maintenant à grimper à l'étage. Un simple clic droit si tu manges la viande. Ah d'accord. Là je crois maintenant les abonnés comprennent pas, ça a pris du temps de préparer ta récup parce qu'on a tout des. On peut le dire, le bâtiment était vide quand on l'a eu. Hein. Oui, quasiment. Mais enfin, voilà, c'est génial. Je suis contente. Je crois qu'on a travaillé surtout à deux. Je crois, ouais, beaucoup, ouais. Hop, donc je vous montre l'étage. Donc il n'y avait pas d'escalier, roi. Tu vois, j'ai un peu remanié l'escalier. On a des petites bougies qui nous attendent. Vu tout le monde, en fait, il fallait absolument que je fasse des escaliers un peu plus larges. C'est par où l'étage? Bah tu vois, là, il y avait l'autre escalier. C'est par là, Fred. Où il y avait l'autre? Ne te suicide pas, roi. Reste avec nous. Pas mal. Ouais, je suis perdu. Attends, ouais, j'arrive. Moi aussi, ouais. Je vais descendre. Où oui. Ah bah Fred, c'est voilà, qui est perdu. Elle a venu. C'est bon. C'est bon. Je vais les retrouver. Presque. Hop. Oui, pour ceux qui sont perdus, je les TP aux gens. Hein. J'étais sûr. Ouais, mais ça m'aide pas à me retrouver, moi, de me TP. je vais rajouter des panneaux, je pense, par après, pour qu'on puisse avoir plus de facilité, parce que c'est vrai que c'est très grand. Donc, Et là, on tape Boone et ils volent dans le vide. Non, mais le pauvre. Je veux dire. Non, t'as raison, il faut taper Ganou. Mais moi, je suis gentil. Non, encore Ganou qui frappe qui dessous. Il était tenté. Oups. Ouais, vous avez encore des petits balcons ici sur le désert. Profiter de la vue sur le désert. Oui, on a beaucoup c'est de bon. Déserts autour de nous. Oui, on a beaucoup de déserts, c'est vrai. Oui. Hop, par ici. Et de desserts. Il y a un petit bug d'eau quand même ici. Hein. Un petit bug d'eau. Ah, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. J'avoue, peut-être que je regarde avec plus de.
Non. Qu'est-ce qu'il est ton... La première bande de Terra Cube a été faite par Boone, voilà. Mais... Oh, sur moi, je tombe en plus. Attends, je vais te faire Boone. Mais non, mais moi, je tombe dans le void là. Je suis dans le void. Voilà, viens, voilà, t'es avec moi, voilà, t'es près de moi, Boom. Voilà, ça va comme ça, tu te sens mieux. Bah, je me vois encore. Ah, c'est. Attends, je suis où? Ah, oui. T'es près de moi, t'es dans le couloir. Ceux qui. Ah, t'as perdu ta clé. Aïe! J'étais dans la ville qui peut avoir ton Isut. Bah écoute, bon. Ah non, c'est pas moi, moi je fais Assassin's Creed. Boone. Tiens, Boone. Ah bah voilà, Miss aussi. Bah, il y a quelqu'un qui m'a poussé. Vous savez, c'était tous vous suicider là aujourd'hui là. Michel, il est mis. Oh non, t'as de me suicider. Voilà, hop. Ah, mais si. Je vous rendrai des clés après, vous inquiétez pas. Ah, ça va, je dis, je récupère les stuffs. Ah, super. Donc ici, vous êtes dans la bibliothèque. Je vous invite à venir dans la bibliothèque. Ah ouais, je suis dehors, il faut que tu viennes récupérer ton stuff. Mais c'est pas grave, Kitsu, on rendra tout après. Donc, bibliothèque que je vous laisse libre de rendre fonctionnelle en écrivant vos propres bouquins. Moi ici, j'ai déjà mis un petit truc histoire des dieux. Il y a déjà celui de Céleste, donc voilà, je vous laisse avec des items friends. Donc oui, c'est vrai que maintenant qu'on a le mode bibliocraft, qui permettrait de faire pareil. Oui, mais comme bah, on a encore rien écrit, je voulais quand même rendre le truc un peu plus vivant, mettant des bibliothèques comme ça. Donc, j'ai bien dit, c'est super bien, mais j'adore. Ah, mais vous pouvez mettre des histoires que vous voulez. Hein, y a pas de... Ah merde, j'ai pris la chambre de Miss. La clé de Miss, attends. Tiens. Vraiment les histoires qu'on veut. Ah mais oui, si. Mais oui, mais je te connais. Oui, vraiment les histoires. Et donc là-bas au bout, et là, moi, tu vois que j'ai fait encore une petite adaptation, j'ai rajouté des escaliers. Ouais, c'est bien. Là, j'ai fait, donc là, c'est le temple. C'est un temple qui est dédié à tous les dieux. Oh, voilà. Tous les dieux qui ont été... Ah bah, mon bouquin, il est parti, tiens. Il faudrait que je le remette. Donc, tous les dieux, donc... En fait, il y a... Ah bah, il y a deux items prêts pour sauter, tout va bien. Donc voilà, pour ceux qui viennent de débarquer, donc il y a quelques deux, bah il y a Céleste qui est dont je suis l'incarnation. Quelqu'un qui veut voilà. Il y a donc Kurt Cobble. Ouais. Mais c'est le dieu de qui Kurt Cobble? Oh bah non. Alors dis donc. Bah je ne sais pas. C'est le dieu de Knut et Kata, voilà. C'est voilà, qui est le dieu du recyclage, hein, si je ne me trompe. Ouais, c'est le dieu qui aime bien recycler. Vega, qui est la déesse de Kibou, qui n'est pas avec nous, mais qui va très certainement nous rejoindre. Luminaria, le dieu de Titi, qui va certainement nous rejoindre. Dissidence, ta magnifique déesse, Fred. Oui. Voilà. Donc, j'ai mis une sphère. Si tu veux changer, tu me le dis, on changera la sphère. Lorelei aussi. Ensuite, il y a le cristal de Diagos. Qui est brisé, il faut préciser. Cristal brisé. Et le sceptre d'Ioko, donc Ioko qui était la déesse de Poussin, voilà, qui n'est pas avec nous, sauf a des soucis de connexion et un petit souci de micro. Donc voilà. Donc, tous les PNJ que vous voyez comme ça, avec des petits noms au-dessus comme ça, donnent des quêtes. La quête qui est donnée par la prêtresse ici n'est réalisable qu'une fois. Donc pour les youtubeurs qui sont ici, ne vous gourrez pas quand vous faites vos recs. Voilà, ne vous plantez pas. D'accord. La quête qui est donnée par qui Par Cynthia, la prêtresse qui est ici. Voilà, n'hésitez pas à lire les bouquins aussi, il y a des choses écrites très intéressantes dedans. D'accord. Je sais pas ce que tu as écrit dedans. Donc, voilà, je recette tout. Et donc à l'étage, en fait, pourquoi est-ce que j'ai fait des magnifiques escaliers parce que donc ils n'étaient pas là, je les ai ajoutés. C'est parce qu'en fait j'ai découvert en décorant tout qu'il y avait une très jolie petite piscine à l'étage et je me suis dit qu'on pourrait très bien rajouter les baptêmes pour tout ce qui est pour des célébrations religieuses pour ceux qui sont fans de RP. Ben voilà, mes bien chers frères, reprenez avec moi tout son cœur. Ah bah Boone, voilà. Excusez-moi qui m'y attend de faire vos prières. Pas de boogie. Voilà, on transforme la vache en Boone. Transformons la vache en Boone. Allez les gens, frottez-le. Ouais. Pourquoi vous voulez... Frottez-moi la vache. Oh là là, allez, transforme-toi en Boone. Enfin voilà, donc il y aura moyen si vous le désirez, parce que donc en fait aussi quelque chose qu'il y a, c'est que maintenant au niveau des quêtes, donc j'ai rajouté des quêtes par rapport aux religions,
où il y aura besoin d'une vraie entraide entre guillemets entre joueurs. Voilà, donc ceux qui ont créé des dieux, ben, des gens pourront très bien entre guillemets s'affilier à votre dieu, devenir un peu votre apôtre, je sais pas comment dire, enfin voilà. Et donc ben, vous devrez peut-être leur faire passer des épreuves ou que sais-je, ce sera à vous de décider ça. Voilà. Lilo devient un dissident. Nada.